L'histoire du château. Les premières traces attestant de Bourdeille remontent à une place forte, qui en 1183 accueillit des moines venus s'y réfugier avec les reliques de Saint-Sicaire. C'est à cet endroit que fut érigé, à la fin du XIIIe siècle, le corps d'un bâtiment féodal qui subsiste encore aujourd'hui. Pendant plusieurs siècles, écartelé entre couronnes de France et d'Angleterre, le château de Bourdeille traversera bien des tempêtes politiques et religieuses. Défensif à l'origine, objet de convoitises nombreuses, théâtre d'épopées sanglantes, libéré des Anglais, il fut rendu au comte du Périgord par du Guesclin. La paix revenue, Jacquette de Montbron fait construire, à la fin XVIe siècle, le château Renaissance à quelques enjambées de la forteresse médiévale. Bourdeille est aussi un château d'agrément témoignant de l'élégance d'un nouvel art de vivre.